Bon matin! Bon matin! Oh, tiens qu'on est un totem du même chandail! Ouais, ben bon matin, c'est ça. C'est notre dernier matin ici. On part à 11h. Puis il annonce quand même une belle journée. Il annonce encore pas beau, puis finalement il fait beau. C'est juste vraiment brumeux ce matin. Regardez ça. C'est le fun, ça fait quand même une petite ambiance. Creepy. Puis on va aller voir la plage parce que c'est ça, ça a l'air bien brumeux par là-bas. Donc c'est ça, on a dormi. Moi j'ai mieux dormi que la veille. Mais quand même, hein, tu sais, quand t'es pas chez vous, puis moi je suis un petit peu stressée là, dans le fond des bois. Fait que c'est tout qu'il y a un petit bruit, je suis comme, mais c'est quoi ça? Puis c'est ça, Banjo a bien dormi. Hein, Ben? Puis il était brûlé hier, je pense qu'il a dormi 15 heures de suite. Puis nous, un bon 10-11 heures, là. Hey, c'est spécial! What? On voit la fin du monde. Regardez ça. Ça fait penser au livre de Stephen King, là. La brume? Ouais. Ah, c'est beau. Hey, c'est quand même chaud, hein, le soleil à travers. Ouais, c'est beau, en hein? Ouais. Banjo! Reste proche. Hey, j'ai oublié de parler de ça, mais... Banjo, tout le long du séjour, il était pas en laisse. Puis il a vraiment Banjo. Bien fait ça. Oh, stop, il veut pas te baigner ce matin, là. Hey, le lac est calme, calme. Mm-hmm. Check ça, il y a pas... Même pas de vagues, là. C'est juste des petites... Mm-hmm. Petites puis c'est ça, il a bien fait ça. Il s'est pas sauvé, rien. Il reste vraiment proche. Au début, j'étais pas super confiante. Ah, on dirait un rêve, ça n'a pas de bon sens, hein? C'est fou, hein? On est-tu réveillés, coudonc? Brume, l'eau super calme, c'est weird. Bon, fait que là... Attends, je vais tasser ça. Je m'en viens défaire... Oh, ben voyons! Je m'en viens défaire le lit parce que... On dormira plus ici. Puis, en même temps, il faut faire un peu le ménage. Fait que je vais m'occuper de ça. Ça va être clenché pour le matin. Non, fait qu'il est rendu 9h, puis on a tout sorti et paré notre stock, et on a laissé ça comme sur la véranda, parce que dans le fond, j'ai tout fait le petit ménage à l'intérieur. Donc, tout est propre. J'ai passé le Swiffer, le petit balai, puis des lingettes lissoles là, sur les surfaces. Fait que tout est clean. Moi, j'aime ça quand tout est clean chez moi. Fait que je trouve que c'est la moindre des choses de faire la même chose. Là-bas, et bien ici, on va chez Outrui. Puis, c'est ça. Fait qu'il nous reste vraiment pas grand-chose. Là, tu sais, ça traîne, mais c'est parce que dans le fond, c'est notre stock qu'on doit ramener. Puis, il y a des choses qu'on va manger là-dedans. Fait que là, mon chum est rendu sur le bord du lac. Je sais pas si on le voit. En tout cas, il est en train de faire un feu. Notre dernier feu. Puis, on va faire pour déjeuner. On dirait que j'avais pas envie de déjeuner des œufs ce matin. Puis on avait acheté ça ici, des pâtes à croissant, pour se faire entour d'une saucisse à dog. Fait qu'on va essayer ça. Ah, c'est vraiment pas comme déjeuner, mais il est rendu, c'est ça, il est rendu 9h. Là, fait que c'est comme un brunch. T'sais. Je sais pas si ça va bien marcher par contre. Sinon, on va se faire des sandwichs. Fait que voilà! On se reparle plus tard. Banjo, t'es prêt pour des guimauves? Tu veux des guimauves, hein? Tu t'aimes ça, les guimauves? Ouais, t'es bon chien, hein? Ben oui. Viens, tiens. On va aller voir papa? Ouais, hein? On va descendre le stock. T'es bon. Gros chien. Banjo, non. Il est énervé. Je le comprends. Banjo, hey. Non, non. La branche à guimauve à maman. La branche à saucisse pour this morning. Si, c'est belle branche. Ça semble fonctionner. Elle de mon job qui est vraiment nous. La mienne. Ah, puis on a fait des petits croissants aussi. Mais je pense qu'il faudrait tourner la pierre de bord.
Mon Dieu, mais qu'est-ce qui est arrivé à celui-là? Petit déjeuner sur le feu. Parce que. Oups, il veut pas focusser dessus. Bon, je pense que ça a fonctionné, guys, les saucisses en pâte. Yes! Oh yeah! On va mettre la petite moutarde là-dessus. Badjou. Tiens, je te laisse l'honneur. Oh! Oh! Y a-t-il plein de sable? Un petit peu. Tu l'as su? Non, c'est bon. C'est beau. Ok. It's all French. C'est canadien, ça, hein, je pense? Oui. Fraîchement fait au Canada. Oh, wow! Je veux que tu me mettes de même sur ma sauce. Oh, attention, bouge mais pas. Oui, mais c'est parce que j'ai une mouche qui est en train de me piquer. Ben, là. Mais là! C'est pas mal plus important d'avoir une belle répartition de la moutarde que des jambes pas piquées. C'est-tu sur mon croc? Oh non! Ah, oh, ben peu. Oui! L'échelé. Oui, l'échelé, c'est de ta faute. L'autre. C'est vrai, il faut mettre un petit barrage. C'est fini! Ben oui! Sur la route du retour. Débarqué du ponton. Passe vite quand on s'amuse. Ouais. Oh my god, c'est intense. Mais oui, mais j'ai pas aimé mon séjour, toi. Ouais, c'est sûr qu'on y retourne. C'est merveilleux. Ouais, je retournerais, c'est sûr. Même honnêtement, être plus de monde, je pense. Mettons là, à deux personnes, c'était une bonne durée de séjour, je pense. Ouais. Mais être un autre couple d'amis ou d'autres monde, je ferais une journée de plus. Ouais, Ouais. Mais là, on a de la meilleure température qu'à l'aller, fait que ça va nous permettre d'aller un petit peu plus bon à bon train. Ouais. Mais on n'est pas pressé. Non, non. Surtout qu'on veut peut-être arrêter à la petite place de foie gras. Ouais, il y avait sur le bord du chemin, il y avait une place qui était marquée foie gras d'abord. Mais quand on aura du réseau, on investiguera peut-être un peu là, par rapport à ça. C'est pas là. Ça, moi, je sais vraiment pas. Attends, on va checker. On est perdu dans le chemin. Assis. Oh, banjo. Bon, fait qu'on est arrêté à... Ça, c'est quelle ville? Attendez. Ça s'appelle le casse-croûte. Oh là! C'est le bord du chemin. C'est Patachi, ça s'appelle. Ah! Saint-Jean-de-Mata. Que moi, je me suis pris de quoi? De nouveau. J'ai pris un hamburger Michigan. J'ai hâte de voir ça. J'aime quand même les choses bouettes. Fait que je devrais aimer ça. Puis mon chum a pris un cheese. Puis on va se partager une grosse frite. Puis on a Banjo ici, qui mange tous les cochonneries par terre, bien entendu. Hein? C'est vraiment pratique, cette laisse-là. On a acheté ça, c'est de cette marque-là. Oh, t'en as acheté ça à l'animalerie. Puis on peut l'accrocher, c'est comme deux embouts comme ça, là. Ouh, attention, Banjo! Comment qu'on appelle ça? Ah, tu t'es tout enroulé, là! Deux clips comme ça, fait que ça permet de l'attacher dans les ronds de même. On peut se l'attacher à l'entour de la taille, on peut l'attacher après notre pic quand on le plante dans le sol. Là. Puis, fait que c'est vraiment pratique. J'aime beaucoup. Je vous la conseille. Thank you.
leur décor habituel. Donc, c'est ça, on est de retour à la maison. La route du retour s'est vraiment bien passée. Comme vous avez vu, on a arrêté dans une petite cantine. Puis mon chum a acheté une belle tarte, là, faite par une madame là, qui vendait ça sur le bord du chemin. Puis elle a l'air vraiment bonne, c'est à la fraise rhubarbe. Ouais, c'est les fermes Gary et Pi. Oh, t'es bon. Les fermes Gary et Pi. Puis on a défait tous nos bagages, je suis rendue à ma 58e brassée de lavage. On a lavé Banjo parce que c'était tellement dégueulasse à cause de toute la citronnelle qu'on lui mettait. Là, il était comme gras, puis c'est ça. Puis on voulait le laver aussi, là, il a dormi comme pas dans nos affaires, puis je sais pas. En tout cas, on l'a lavé, puis là, il est rendu 6h moins quart, puis on va aller chercher à souper. Mon chum avait envie de manger du boustan, là, qui est comme, c'est quoi, du Libanais, ça? Ouais, c'est l'équivalent d'un bacha, là. Ouais, mais supposément qu'il est meilleur selon mon chum. Mais moi, j'aime pas vraiment ça. Ben, j'aime le bacha, mais lui, je l'aime pas, là. Je trouve qu'il goûte trop l'ail. Puis en tout cas, à un moment donné, j'avais été comme malade tellement j'avais mangé d'ail, là. Puis en tout cas, fait que là, j'ai comme vraiment plus pas envie d'en manger. Puis il y a le miss sushi à la maison qui est comme. Ma casquette. Ah, elle était où? En dessous des coussins, complètement écrabouillée. Puis, puis c'est ça, on a le mist sushi à la maison qui était à 2 minutes de chez moi littéralement. Fait que je vais aller me chercher un pokéball. Ils ont entendu que c'est bien meilleur que du Boostar. Boostar, c'est bien meilleur. Fait que voilà, je vais aller me chercher ça, je vais vous montrer après. Puis sinon, on risque d'être vraiment relax. Fait que je pense que je vais mettre fin au vlog, mais je vais quand même tourner des petits clips là, pour vous montrer notre bouffe. Puis c'est ça, après ça, on va regarder un film d'horreur. Parce que j'avais dit à mon chum qu'on n'avait pas le droit d'en regarder d'ici à ce qu'on aille au chalet. Parce que j'allais avoir bien trop peur quand j'allais dormir là-bas. Hein? Oui. Fait que bref, je vais faire un vlog. Puis j'espère que vous avez aimé là, nos petits vlogs de voyage. Puis on se reparle dans un prochain vlog. Bye! Banjo, es-tu jaloux? C'est mon bon Pokéball! Oui. Fait que j'ai pris crevettes bang bang, saumon, mangue, concombre, de la petite verdure, du tempura, du wasago, mayonnaise épicée, sauce foisin, graines de sésame, riz, puis sûrement d'autres choses que j'oublie. Ah, des mandarines aussi, je pense. C'est vraiment bon. Youp youp! Youp youp! Puis toi? Ah, oh, tu fais exprès de faire du bruit tantôt, mon baudier! C'est le carré! T'allais le réaliser. Oh, mais là, c'est eux, là! Tu fais ça grémente tout le monde. Fait que t'avais un pita. J'avais un pita, oui. Je pensais pas que tu voulais présenter ton chose. Ton sauce, ton sucré. Ben là, faut bien que les gens comprennent que le boostan, ça torche sushi. Non. Check ça. Ben, ça a l'air de rien, là, comme ça. Mais c'est du très bon. Du très bon poulet libanais. Un bon petit riz. De la sauce à l'ail. Dans tout ça, il y a des patates aussi. Des petites patates. C'est vrai qu'il est bon le poulet. Salade. Puis agrémenté d'une petite coupe de vin rouge. Oui, moi aussi. Mm-hmm. Bye. On devrait finir sur un chill. Tiens.